C'est lui. Lina! Je t'attendais pas avant 5 heures. Ça te dérange? Non, au contraire. Bien que je te présente un ami, Mauro Santorelli, mon ami, ma fille Elena. Enchantée. Bon, on s'est déjà vu. La Providence, ça serait pas étonnant. Moi, je vous ai déjà vu dans les journaux et ma mère m'a beaucoup parlé de vous. Ah, en bien, j'espère. Pas mal. Est-ce que vous restez à souper avec nous? Non, malheureusement, ma fille m'attend. Mais merci quand même. Je prends mes choses et j'appelle Corrado. C'est mon chauffeur. Voilà, ciao. Au revoir. Ouais, beau bonhomme. Chut, pourrais t'entendre. Regarde, les tomates sont prêtes. Ça fait drôle. C'est la première fois que je te vois avec un autre homme que Jean-Guy, tu te rends compte? Arrête donc. Qu'est-ce que tu voulais t'en dire? OK. J'ai été voir Monique. Puis elle m'a confié quelque chose de gros. Monique? Hey, on va s'asseoir au bar, là, prendre l'apéro. Ça va être genre style cool. Je ne sais pas quel mot je t'ai piqué, toi. Quoi? Quoi, un gars a plus le droit de vouloir sortir avec sa femme sans que ça soit louche, c'est ça? Non, je me demande juste si t'as pas recommencé. Oh, Christiane! On peut-tu sortir ensemble sans parler de ça, là? Non, je vais pas recommencer. Hein? C'est correct. Bon. Au coup de te gratter un peu, tu le mérites. Garde des crédits, je peux-tu? Bertrand? Je vais prendre un kir royal, mais avec un très, très bon champagne. Oh, ça, j'aime ça. Madame, t'étais vite sur tes patins en kir. Oh, c'est lui qui a proposé le motel. Non, je vais appeler Paul pour le mettre dans le coup, puis après ça, tu pourras confirmer l'heure avec Michel, OK? Non, Pierre, j'ai peur que ça tourne mal, qu'il finisse par se douter de quelque chose. Inquiète-toi pas, on te laissera pas tout seul avec lui longtemps, là. Est-ce que tu préfères y donner rendez-vous à taverne? Oh, j'ai essayé, mais il veut pas. Je veux pas qu'il vienne chez nous. Non, moi, je trouve que le motel, c'est idéal. Il se doutera de rien. Hein. Paul, Pierre Lavoie. Valérie a eu la visite surprise de Michel Potvin.